Bonjour à tous les gars, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 sur MK Total War. Alors la dernière fois, on avait récupéré Bordeaux et par la grâce du Seigneur, je ne sais pas, j'ai proposé aux Toulousains une paix et ils ont accepté. Donc du coup, ça nous laisse le temps de reconstituer cette armée là, car elle a subi pas mal de pertes lors du dernier épisode. Ah, ils sont en guerre contre le Dauphiné de Vienne. Peut-être que ça a joué, en fait. Usure. Mais c'est dans cette armée. La maladie se répand. Bon, on n'a pas vraiment attaqué au bon moment. Puisque la maladie s'est répandue jusqu'à Paris. Bon, écoutez. En attendant, on est en train d'assiéger Tournai. Ils sont en train de mourir de faim. Je vais essayer de voir si je peux pas... faire du commerce avec certaines factions. Mais si vous voulez aller... bon, non. Bienvenue, digne invité. Je crois que vous apportez... Bon, après, la paix, elle va durer combien de temps, je ne sais pas. J'écoute et parle au nom de notre bon goût. Ce... Je pourrais m'allier avec les prétendants au anglais. Au nom de l'État, ouais. Bienvenue. Parlez comme un ami ou un... Nous sommes assez... Non, ils veulent pas. Parlez, mon ami. Ne vous embarrassez pas. Eh bien... Bon, le duché de Bourgogne... les relations avec eux se détériorent. Notamment à cause de l'aversion culturelle. Les traités passés avec le Saint-Empire. Guerre contre l'homme d'Angleterre. Le revenu il remonte, c'est bien. Toujours aussi long les tours sur Attila Total War. J'ai pas l'impression que les Anglais viennent au secours des... comment ils s'appellent déjà? C'est le comté de Flandre? Je suis comme on dit, c'est pas les Flandrois. Les Flandais? Non, je sais pas. Je crois que c'est les... si je dis pas de bêtises, c'est les Flamands, je crois. Je pense. Bref, alors cette armée-là, je vais la mettre à Lyon. Je vais réparer la colonie, ainsi que le port, et aussi le bâtiment militaire. Ça coûte 7500 pour améliorer le bâtiment. Ah oui, c'est vrai, je vais augmenter le bâtiment de la colonie au tiers 2. On l'aura au prochain tour. Ah là, je peux mettre un nouveau bâtiment. J'ai pas assez d'argent pour le moment. Bon, dans 5 tours. Faut attendre encore 5 tours, les gars. On pourrait éventuellement partir en croisade avec l'armée qui est à Bordeaux. De profiter de notre prospérité. Eh bien, moi je suis d'accord. Mais seulement si vous devenez mon état client. Nous vous jugeons digne de profiter de notre prospérité. Je sais que vous avez... Non. L'argent c'est intéressant, mais s'ils peuvent devenir mon état vassal, c'est encore mieux. Ils auront peut-être plus de chances d'accepter quand ils seront à un tour de la défaite. Ouais, 2000 par tour, c'est pas mal ça. Guerre déclarée, duché de Brabant, Saint-Empire.
Autriche, Saint-Empire romain. Usure. Cette armée-là qui est toujours malade, malheureusement. Force de la colonie, fortification du mur, 38%. Il y a aussi l'insalubrité. Il faudra qu'on construise une léproserie. Comme ça qu'ils appellent le bâtiment sur le mode. Bien, bah écoutez, en attendant, là j'ai un petit peu d'argent, mais j'ai pas assez. Ah oui, c'est vrai, à Rouen, on peut construire un nouveau bâtiment. Bah là, à Rouen, vous voyez que l'hygiène publique totale, elle est de moins 4, donc il faut qu'on construise une léproserie. Ça va augmenter l'hygiène publique de 2. Et ça va augmenter l'hygiène publique de 1 dans les provinces adjacentes. On va construire ça. Ce personnage a une compétence. Un coût de recrutement moins 20% au total pour les unités non mercenaires, c'est pas mal du tout. C'était quand même un peu mouvementé au début, mais là, je trouve que la situation s'améliore. On a pris Bordeaux, on l'a repris du coup. On devrait bientôt avoir tourné. Pour le moment, les Anglais ont pas trop l'air de vouloir mener la guerre en France. Fort heureusement, ils sont en guerre civile. Alors la maladie se répand. Elle s'est répandue jusque là-bas. Jusque à Tournai. Ah non, j'ai eu peur. À Bordeaux. Source Paris, diffusion vers Bordeaux. Ah ouais, en effet. Ils ont perdu quand même beaucoup d'hommes, les pauvres. 3 tours avant la reddition. Je pourrais peut-être attaquer, tiens. Leur garnison aussi a subi de lourdes pertes. Ah ouais, la famine pendant les sièges est terrible. Hein. On a quoi? On a 2 tours de siège, 2 béliers, 4 tours de siège en tout, je crois. On a aussi des échelles, il me semble. Bah écoutez, on va attaquer, hein, sans plus attendre. On va essayer les chevaliers à pied. Allez, c'est parti. Je pense que sur ce siège, c'est bien plus intéressant l'assaut dès le premier tour. Si on regarde le nombre de pertes qu'ils ont eu dans l'armée et dans la garnison de Total War. Là, le siège, vraiment, on sent que... Parce que sur Rome 2, on peut pas mener un siège. C'est vraiment mal fait. Puisque c'est votre armée qui a subi des dégâts d'attrition. Bref, alors... Par où on pourrait attaquer? Ici, ça me paraît pas mal, il y a un long mur... Il y a une tour assez lointaine. Et ici, il y a une brèche. Eh bien, je pense que ma cavalerie, je vais la faire attaquer du côté de la brèche. Voilà. Le roi de France, je vais le laisser à l'écart du combat. J'ai pas envie de le perdre bêtement. Donc, on a... quasiment toute notre infanterie, pardon, excusez-moi, qui est soit dans les tours, soit aux échelles. Par contre, toi, je vais t'enlever de là. Ah oui, j'ai vraiment pas beaucoup d'arbalétriers dans cette armée. Allez, c'est parti. Nous avons aperçu l'ennemi. Puis nous apporte toute l'aide qu'il lui plaira. Nous serons dignes de ses louanges en écrasant. On va casser les portes. Cet endroit.
Montrons au monde que nous sommes de vrais soldats. Là, on fait un assaut digne des dieux. À mon humble avis, ça va être un carnage. Au nom de notre seigneur ! Imbécile ! Des hommes sages fuiraient devant notre Ils peuvent bien trembler devant notre nombre, hein, ça c'est clair. Hein. Vu comment on est nombreux. Déplacez-moi, ces béliers ! L'unité en relais ! Les arbalètes étriers, on va les avancer, on va les faire tirer sur leurs troupes, même s'ils sont peu nombreux. Et ma cavalerie, on va pas la laisser là sans rien faire, on va l'envoyer directement attaquer cette unité-là. Ah, c'est vrai, c'est des mercenaires, eux. J'aime bien la façon dont ils marchent au pas. On dirait un défilé militaire. Putain, ici, il y a des... ce que c'est. Il y a des petits objets de siège, des objets de siège pour l'assaillant. Je sais pas comment ça s'appelle, mais ça sert à protéger les archers, les arbalétriers. On va essayer de s'en servir, ça. Mettez-vous ici, là. Je sais pas si ça les protège, mais ça fait RP, quoi. Est-ce que ça les protège vraiment? Je ne sais pas. Je pense que le temps que les unités arrivent sur les murs, notre cavalerie aura fait un massacre. Il parle de ces portes là-bas, ok. Mais celles-là, je sais pas pourquoi elles se sont ouvertes. Bon, c'est pas une bataille avec beaucoup d'enjeux pour le coup. Leur général, hein, sans plus attendre. Faire un coup. Ils auraient dû accepter ma proposition de devenir un état tributaire. Il y a des bâtiments qui brûlent là-bas. Ils ont un sacré malus d'attaque en mêlée et en défense, ainsi que pour le moral. Ah, notre unité vient d'arriver, c'est parfait. Et voilà, ils sont morts. Le moral en face, il va être proche de zéro. Déjà qu'ils ont faim, que le régiment, ils ont été anéantis. La façon dont ils ont snobé cette unité. On va voir les chevaliers à pied. Voilà.
Il ressemble beaucoup au chevalier du général des nobles, mais à pied. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire face à la France ? Sergent d'armes. Ah, ils sont stylés les unités de sergent d'armes. Ça songe des piétons, tu vois. Avec sa bannière Royaume de France. Il y a toute leur infanterie qui se replie vers la place. C'est un raz-de-marée, quoi. Incroyable. On peut rien faire. Le raz-de-marée français. Voilà, eux aussi sont en déroute. Cavalier qui arrive dans le dos, c'est parfait. Voilà, ça c'est fait. Et victoire, c'est pas une victoire très compliquée. On a eu 98 en 4 carrément. Et voilà, tournée est à nous. Alors je peux les subjuguer, piller, occuper, piller. Je vais occuper la ville. À votre service. Voilà. Construction terminée, les proseries. C'est la guerre entre le canton de Switz et le Saint-Empire. Voilà, le comté de Flandre n'existe plus. Bah, écoutez, c'est pas mal là ce qui se passe en ce moment. On contrôle un bon petit royaume. Hein. Faudra stabiliser cette ville. Après là, l'Angleterre... Attendez une seconde, je viens de penser à un truc. Le duché de Bourgogne nous a demandé de rejoindre la guerre contre l'Angleterre, on est d'accord. Ah non, j'ai rien dit. Je pensais que il condamnait le fait qu'on soit en guerre contre l'Angleterre alors que eux-mêmes nous ont demandé de les rejoindre dans la guerre. Bienvenue, digne invité. Je crois que vous apportez des montants dont nous. Ah parfait, petit accord commercial. De la part des miens, bienvenue. De ma part... On a gagné une ressource supplémentaire en plus. Je vous salue ainsi qu'à votre réputation. Ok, bah... Cette armée-là, quand elle va se remettre, je me demande si je vais pas l'envoyer en croisade. Nous avons ça pourrait être intéressant. Bataille. En attendant, je vais passer le tour. Ça coûte extrêmement cher les bâtiments dans ce jeu. Dans ce mode précisément. Bon déjà, je vais réparer la colonie. Alors, coût de réparation. 1500.
coûte cher. Hein. Autorité plus 1. Coût de recrutement moins 10%. Coût de recrutement moins 10%. Ça, c'est plutôt intéressant. J'ai arrêté mon épisode, les amis. De toute façon, là, il va y avoir que du passage de tour, je pense. Au prochain épisode, je vais voir si je peux pas mettre mon armée en croisade. Ça pourrait être intéressant. Vu qu'on n'est plus en guerre dans le sud pour le moment. Mais il faudra quelques tours le temps que l'armée se reconstitue, quoi. Parce que là, actuellement, on va pas faire long feu avec une armée malade. Ah, la maladie, elle se répand, c'est fou ça. Elle veut pas s'arrêter. Pénurie alimentaire. Dans les Flandres. Moins 10 de nourriture. Faudrait que j'améliore ce bâtiment-là. La maladie se répand. Ok. L'ordre public aussi qui est un peu mauvais. Putain, c'est dingue, dans ce mode, les maladies, ça dure 2 ans. C'est pas possible. Je vais essayer de booster l'ordre public à Orléans en mettant un édit différent. Je vais mettre autonomie locale. À Paris aussi. C'est un mode où il faut régulièrement changer les édits en fonction de vos mouvements. Édit local. Rouen pareillement. Édit local. Ça réduit un peu le taux d'imposition, mais ça donne plus d'ordre public. Ce qui est pas mal. Domaine ecclésiastique. Faudrait que je puisse construire ça à l'avenir. Usure. C'est quand que cette maladie va se terminer? Parce que là, ça ne s'arrête pas en fait. Richesse, autorité plus 1, très bien. Ça va me coûter de l'argent, mais c'est pas grave. Alors ici, je vais mettre... construire des maisons de pesée rurale, ça augmente la croissance. Pardon. Oui, aussi, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut libérer la ville et faire un état tampon. Donc c'est-à-dire que même si j'occupe la ville... Bah, je peux décider plus tard de vassaliser l'endroit. Bon, notre héritier a eu des enfants. Il a eu que des filles. Bon, il est encore jeune, c'est pas grave. Je sais pas quand cette maladie va se stopper, mais ça fait long là quand même. Hein. Bon, en tout cas, cet épisode-là et celui d'avant auront été assez productifs. On a récupéré 2 villes, ça c'est cool. On a un revenu par tour qui est plutôt sympathique. Surplus de population dans le Lyonnais. On va construire une léproserie aussi. Elle est où? Elle est là. La maladie se répand. Ah, ça y est, ils sont plus malades, enfin. Bon, par contre, la maladie est toujours présente à Orléans et à Paris. Donc on va éviter d'envoyer des troupes là-bas. Édit publié, autonomie locale.
comté de Savoie, qu'on a rencontré. Le duché de Saxe et le Saint-Empire sont en guerre, ok. Alors, normalement, vous voyez, ça a augmenté un petit peu l'ordre public. C'est toujours en négatif, mais on perd moins d'ordre public par tour, c'est déjà ça. Et bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. On est presque une demi-heure de vidéo. La prochaine fois, dans l'épisode 6, quand cette armée va se reconstituer, ça va prendre peut-être 3 ou 4 tours, je pense. Je vais voir si je peux pas la mener en croisade. Il reste 13 tours pour la croisade, apparemment. D'accord. Bon, après, la croisade, je sais pas si on va réussir à arriver à temps là-bas, mais on verra bien. En tout cas, si on peut prendre une ville sainte là-bas et avoir une petite colonie, ce serait cool. Bon, en attendant, moi je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Salut les amis.